des Gorons Nord en Kabylie, il sera 20, 7 espèces de serpents. Il sera 6 couleuvres, 6 espèces de couleuvres, alors qu'une espèce de vipère. La vipère, c'est la vipère de Lataste. C'est par rapport à celui qui l'a découvert. On s'est dit au fin, À l'ère coloniale, c'était un colon, il sera des Gorons Nord. Et c'est un chercheur, c'est un biologiste, il a découvert la vipère de la Kabylie. Ismaïa Sismi, c'est un prénom français. Donc, Mouchet Noël Thorad Nadarken, donc la couleuvre, elle est inoffensive. Donc, la couleuvre, elle n'est pas venimeuse. Vous voyez, c'est un 6 couleuvres, comme ça, ils sont inoffensifs, mais ils ont 7, il est venimeux. Une couleuvre venimeuse. Prenez la couleuvre de Montpellier. Donc, il y a une couleuvre venimeuse. Il y a une couleuvre venimeuse. Est-ce que ça, le venin, c'est les mortels ou pas? Le venin, il n'est pas vraiment, il est dangereux. Même si il y a des gagnants, même si il y a des lâcher. C'est le plus grand reptile, les grands. D'accord. C'est un serpent qui peut mesurer jusqu'à 2,50 m de longueur. Quand même, hein. En plus, il donne des avertissements à une intime. Est-ce que ça a décroché comme une vipère? Ça a décroché, mais à l'intérieur. Donc, le dernier tiers. C'est très bien, deux avec elle. En plus, la morsurie, ce n'est pas vraiment une mortelle. D'accord. Les autres couleuvres, un fer à cheval, un diadème, un diadème, un la couleuvre à collier, un la couleuvre à spic, l'aspic d'eau. L'aspic d'eau, c'est fer à nouaman, c'est une église grande de gouaman. Donc, la couleuvre est gagnée de la venimeuse, c'est gagnée mis par la venimeuse. La couleuvre venimeuse, c'est la couleuvre de Montpellier. La couleuvre de Montpellier. Est-ce qu'il est vraiment répandu, mais la couleuvre est gagnée en Gérard? Il est répandu d'ailleurs. Il est répandu. C'est là. La chose, c'est la colorée, c'est la chose. La colorée, généralement, c'est entre le gris, et le bleu. Mais c'est du bleu clair. D'accord. Chouette, c'est celle-ci. D'accord. À sa force, mon corps, c'est mesure jusqu'à. C'est le plus grand serpent, les gars, on a en cabine. D'accord. Il est très répandu, il a. Il se fraye, dans le massif du Magarwa, il se fraye qu'il ne se réagira jamais voilà. Exactement, oui. Là, tu les vers le fer à cheval, il y a un petit moment là. Ça va jusqu'à 2,20 m de longueur. Si tu décides des couleuvres de maison, ça change de chamel, je m'arrête de dire en fait. Parce que tu les fais trop la végétation. C'est un signe de bonne végétation dans un jardin. De bonne santé. En plus, une fête dernière, ça veut dire que c'est une rastigale d'ailleurs, les rongeurs, les souris, les couliers. C'est qu'il y a une fête dans le jardin. Ça a des couleuvres à la collier dernière, par exemple, aucun danger pour l'être humain. Ça a des vipères, les aspics d'eau, les couleuvres d'eau. Un aspect d'eau, on a un natrix mora. Si la dernière ne présente aucun danger, c'est pas grave, c'est pour les hajjilins gomal. Ça a une seule vipère, un petit dîner, qui est la vipère de l'État. Donc, je vais vous dire, parce que la chèque, la gorne particulièrement. Ils sont phobiques. Ils sont un peu phobiques. Il a qu'un autre, il y a un 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 autre, il attaque pas gratuitement. Il attaque pas, c'est le dernier recours, c'est une question de vie ou de mort. Voilà. Sinon, il fuit. Le venininus, il est précieux pour lui, c'est-à-dire. Il est précieux, mais il y a des vipères qui injectent. Il y a des vipères qui mordent l'être humain, mais sans injecter le. Le venin. Qatar, il est précieux. Des morsures sèches. Parce que la vipère, c'est chouchouan avec le venin. C'est un jit, c'est un jit, c'est un jit, c'est un jit. Mais l'accident, il est dans la guerre de Makuta. Justement, pour identifier le serpent à guerre, est-ce qu'il s'agit d'une vipère, d'une couleuvre venimeuse, d'un cobra? Est-ce que. Qu'est-ce qu'il y a? La rumeur dit qu'il circule pour les pointillés de quarantaine pour faire déserter les paysans, pour effrayer les gens. Nous, pour confirmer un chagui, mais malheureusement, avec la case, on a déterré complètement l'olivier nir, mais malheureusement, on a rien trouvé. Ça fait un scrim de l'eau. Donc, il a acheté sa dernière cazeron. Les 80% des Allemands qui se font gagner, c'est des couleuvres. Donc, automatiquement, il est venu. L'identification de la couleuvre, généralement, on se dit la cuisine, on se met rapidement. Quand on se met à la cuisine, c'est que le corps.
تخرج في ستة في مشطوع هني ستة في ظل لين بوفرو اي بي بي تيم دورين تيم دورين مي بار كونتر لا في بيير استفد وزيد دي زورجين استفد تجولات تيجم الزاكو تيستفد ديت من زوال ديالي تيجم ديريكت اون بي ستفد 23 نيسا مالين بومشيش نغالين ولا ما خارنا لو جيكو دي ميراي كان جدمت الحياة فينا يفو سمي فيه خاطر ما تحرصت سكي اكي اكي تقص Et notamment, il ne faut jamais mettre le garrot après la morsure d'un serpent. Au contraire, il y a qu'il faut mettre la ceinture, il faut attacher le messet, il faut que ça se bat mieux à la spéciale. Le garrot, il aggrave la situation. Finalement, la rôle, c'est au fin dernier corps médical en Algérie, notamment en Kabylie, un peu partout là où il y a des serpents venimeux, au fin du corps médical, il a déformé des médecins. Des formations. Des secouristes, secouristes, m'a pris premier soin contre la mort suite d'un serpent avant de m'aider à avoir les centres anti-poison. Donc, nous avons dit que le garrot c'est une erreur fatale. Nous avons dit que le garrot c'est une erreur dans les bras. L'allonger dans la position. BLS, position latérale de sécurité. C'est une urgence à le service hospitalier. Le centre de soins le plus proche. Le plus proche. Dina, ils vont le prendre en charge. Dina, même l'antivenin, Dina, il a qu'à être confirmé à 100% de l'injection de venin. Parce que c'est très dangereux. Parce qu'il y a des effets secondaires, mais il y a des effets secondaires. C'est-à-dire, si vous avez dit que les lèvres, où s'injecter le venin, mais il y a un antivenin, l'antivenin est malafine. Il y a des effets secondaires. L'antivenin est dans, c'est un poison. Il y a des effets secondaires. Il y a le venin, il y a une injection de venin avant. Sinon, même la quantité de venin injecté, ça compte. Ça compte bien la quantité de venin injecté, mais là, une grande quantité. Il va perdre connaissance et les chimiques de coma. Il a confirmé qu'il y a une injection de venin. Il a un anti-venin. Mais là, le venin est injecté. Il peut survivre, il peut se sauver sans injection d'anti-venin. Ça délève, mais il est sain à chaud, il y a un problème. Généralement, les morsures de vipère, parce qu'ils sont dangereuses, mais il a la prise en charge. Et là, ils ne sont pas mortels. D'accord. عطيك صحة إما دونك نشتي كان باش كان نسامي لاشي خاطر السنة اللي قلت لي ريمر بلي ذكرنا دي زلمان بلي هكا وحدة ذكية باش نكون في الميل اكزاكتومون دونك الزلمان كان لاشي بلي كثمور فينا ونا دي فيبر ونا دي فيبر إيل سون سي فرا كيس فيبر يول خلاص فيبر دو لاتاس او ميم طون دافنا دي لي كل بردوني فيبر تري تري فاروش كي في لوم وكي تسقسلا على ما فريمون تبوظ يعني سافجير سي ما بوظ سا خميس فوالا Et là, c'est une vipère qui ne se déplace pas, notamment la femelle, qui se déplace hier, hein, qui dit, ça, il n'y a qu'un atri. D'accord. Le mâle, il se déplace dans les périodes de reproduction, mais la femelle ne se déplace pas. C'est bizarre. C'est bizarre, il n'y a qu'un atri. Mais les yeux, ils s'approchent, mais les singles, c'est bizarre, c'est mal dit. Ils se défendent. Mais la société, il faut savoir comment réagir. Donc la réaction, à travers la hache, blé. Il ne faut jamais mettre un garrot. Il ne faut jamais mettre un garrot. Voilà. Le deuxième point. Donner de l'aspigique à la victime. L'aspigique aussi. Il faut la transporter au plus vite possible. Donc donner du paracétamol, jamais l'aspigique. Jamais l'aspigique. Voilà. Du paracétamol, mais jamais l'aspigique. Il faut l'immobiliser. Une prise en charge rapide. Immobiliser. Il faut la tasse. Il faut qu'il soit immobile. Qu'est-ce que c'est par rapport à. Parce que nous connaissons les gars, on a un lâché, il a un lâché, il a un lâché, donc il faut le signer. Non, c'est des. Nous connaissons les gars, même, il faut le faire, c'est vérifié, c'est un mythe. قارنا كزيف وين يخصو زرا ماشي الحم كاين هي تيرقوا بوضا دونك يل فاي غور جينا دينا اخر في ناشو ديال كوزي سلاخ اسكو كاينه منها شغل كاين سيدي فاناتيك سي خوج عبيلات سي كاين خوج عبيلات يتوقع شي وان فرمي ليه بعد مليحه في مكان انكاس وان يوم يل بو ديزانفيكتي لا بليني سي سي ديزانفيكتي سويس لو جافيل سويمان لو جافيل دي لا لو جافيل لو جافيل دي لا مي Il n'y a pas mieux que d'aller se soigner dans les services spécialisés. Exactement. Parce qu'il y a un corps médical, il est formé les journalistes. Donc il lui faut une prise en charge médicale le plus vite possible. Le premier secours, c'est ne jamais mettre le garrot et ne jamais laisser la victime venir à ses lèvres.
pour immobiliser, pour la transporter et tenir. Donc ralentir le rythme cardiaque, c'est-à-dire. Voilà, exactement. Après, mais regardez, il y a des lettres. Si elles sont à la royale, selon la gravité du cas. Ah, t'es que ça, Haïma. Merci bien.